retrouve aujourd'hui devant une toile vierge. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est... Hop, 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 voilà. On va se retrouver devant un Caroline Manning. C'est la première fois que je vais en faire un. J'ai déjà marqué, voyez, le centre de ma toile. Alors, comme vous le voyez, elle n'est pas très grande, hein, puisque c'est un tout petit Q-snap. Pourquoi c'est flou d'un côté? Bonne question. On va grossir un peu et puis, alors ça doit être flou à cause de, il doit pas être très propre à mon objectif. J'ai pas de lingette là si j'en ai une. Alors, on va voir ce que ça va donner. Je vous nettoie. Bon, j'ai essayé, j'ai acheté une babiole. Je vous montre ça. Ouais, ça aurait été plus simple, j'ai acheté ça. Un petit objectif. Alors j'ai payé ça moins d'un euro, je crois. Je vais le nettoyer. Ça va être la première fois que je le teste. J'espère que ça ira. Bon, j'ai pas forcément la lingette idéale, me direz-vous. Au pire, j'irai chercher une lingette pour les lunettes de Tachou. Ouais, ça a l'air pas trop mal, hein. On va voir ce que ça donne avec, je sais pas. Est-ce que c'est mieux ou pas? Non, en fait, c'est mieux sans. Bon, on verra. Je crois que c'est pour le grossissement, c'est pas mal, par contre. On va déjà un peu moins grossir, parce que j'ai l'impression que ça fait beaucoup, quand même. Et on va essayer de commencer par là. On va commencer, donc, au niveau du centre, ici, de... la fleur. Alors, bien entendu, je ne vais pas vous mettre le patron, hein, puisque je n'en ai pas le droit. Bon, j'essaie de trouver le centre. Alors, il fait 127 par 127 points. Divisé par 2, ça fait 66 et quelques. Ah, bah, ça y est, j'ai mon centre, il est là. Je vous montre vite fait. Il est où? Il est là, le centre. C'est une petite fleur rose. Et ben on va commencer par des petites fleurs roses. N'importe quoi, je sais même pas si elle est rose. Donc les petites fleurs, c'est quoi? La légende, évidemment, se trouve à la dernière page. J'ai le OK, tout va bien. C'est du 676 Old Gold. Donc en termes de rose... on repassera. Ah purée, vous savez ce qu'elle fait la fifi là? Elle n'a pas d'aiguille. Je vais bien me trouver un petit toolkit dans le coin. Voilà, des aiguilles. En plus j'ai une aiguille pour 14 CT. Et je vais faire du 14 CT. C'est pas beau ça. J'ai l'impression que c'était prévu pour... alors 676 on a dit. Voilà. C'est cette jolie couleur. Pardon. J'espère que vous allez bien. Ben écoutez, moi c'est pas le cas, mais en fait il y a un brin de soleil dehors, donc ça éclaire un peu tout pour moi. Je cherche mon coupe-fil. J'ai pas mis ma boîte dans le même sens que d'habitude, donc je trouve pas mes bébés. Hop, je range un peu tout. Voilà, le coupe-fil est sorti. Les ciseaux aussi. L'aiguille aussi. Eh ben, je vais pas m'embêter. Je vais prendre un fil. Je vais prendre une aiguille. J'ai fait quoi de mon patron? Ah oui, alors si je le mets là-bas, ça va pas aller du tout. Hop. Et... alors, on va prendre mon carré ici, qui est le milieu exact de ma toile. Enfin, ça va être le milieu de mon petit carré. De mémoire, j'ai un groupe de 9 points à faire, mais ça ne va pas aller si je me mets comme ça. 9, ouais, c'est ça.
Ça, c'est bon. Je vais me décaler un petit peu. Non, en fait, je vais pas me décaler un petit peu parce que si je le fais, je vais vite le regretter. Je ne verrai ma toile qu'au travers de vous. Alors, c'est pas que je vous aime pas, mais ça va être compliqué après pour moi. Non, tombera pas. Oh, là, je vais pas forcément être à mon aise pour travailler. J'ai pas prévu une petite chose que j'aurais peut-être dû. C'est pas grave. Un savoir, un support pour mettre mon patron. Également, j'aurais dû penser à couper-coller mon patron, mais mon scotch n'est pas là. Je vais le chercher. Bon, je m'en occuperai plus tard. En fait, la seule chose dont j'ai besoin, c'est d'avoir mes. Donc ça, c'est ma légende qui va me servir. Et d'avoir les feuilles. Hop, 1 et 2 à côté. Toc. Comme ça. Je vais voir. Bah, ça devrait pas être très compliqué puisque c'est ça, on a un modèle qui est tout en symétrie. J'ai fait une étude de marché. Ouais, tout est en symétrie au niveau du centre. Une étude de marché, une étude approfondie, on dit Gwen. Donc bah c'est parti. C'est parti, c'est parti. Ouais, c'est. Alors, pour quelqu'un qui ne montrait pas du tout de point monté sur sa chaîne, je vais vous en montrer un petit peu. Donc le défi Caroline Manning, parlons-en un petit peu. Il n'a pas l'air de faire trop recette sur le groupe. Donc c'est un patron. Faut que je vous mette le lien en barre d'infos pour aller l'acheter. Il vaut 6 dollars et des poètes, je crois. De mémoire. Alors comme j'en ai acheté plusieurs en même temps, je peux plus vous dire parce que j'ai pris Améthyste aussi pour le faire. C'est un patron que fait Kiki sur une toile noire. Moi, je sais pas encore quelle toile je vais prendre. Je me suis pris le patron déjà parce que j'adore toute cette teinte de violet, c'est juste divine. Divin. Alors hier j'étais en tout début de rhume, là ça va un petit peu mieux. Hein. Et donc c'est un défi qu'on vous propose sur notre groupe, les défis des brodeuses. Kiki, Minime, Myriam, Laure et Isa. On sent la concentration là. Tac, tic-wic. Et après je vais pas y retourner de suite sur cette couleur-là, donc je vais la ranger. On va faire après les petits traits horizontaux. Alors, on va déjà. Ranger ça. 976, on a dit. 976. Hop. Si vous entendez ronfler, c'est pas moi, c'est le chien. Et on a dit que l'autre c'était du 961. Du rose. J'aurais pu préparer mes couleurs, mais ça aurait été moins fun. Donc là, je suis en train de me battre avec mon échevette. Parce que forcément. Ce serait pas drôle si je la prenais par le bon bout. Et oui, parce que vous savez peut-être pas, mais il y a un bout. Il y a le bon bout et il y a le pas bon bout. Bon, après, je remettrai tout ça comme il faut sur cartonnette. Mais là, tout de suite, comme on dit chez moi, flemme. On met nos deux petits bouts de fil à la bonne dimension et
Bah, c'est reparti pour un tour. Et effectivement, on va faire le tour du carré. Donc, c'est un petit défi sympathique. Bah, oui, je peux vous dire le contraire. Printanier, je me dis qu'en ce début mars, c'est idéal. J'ai pas eu le temps de le commencer avant, en vrai. Voilà, je cherche le nom du patron. Il s'appelle Sweet as Can Be. Dans la collection The Quilting Bee Collection. Et franchement, c'est tout à fait le type de patron que j'aime faire. Donc, quand Kiki nous a proposé ça, je vois pas comment j'aurais pu refuser. J'adore. J'en ai plein des choses à faire en vrai. Hop. Hello. Il y a des petites choses, des petites toiles qu'il faudrait que je reprenne. Un point compté que j'ai laissé de côté un peu. Voilà. Vous voyez que ça dort bien à côté de moi. Oh, si vous saviez comme je suis. J'ai terminé mon défi d'épée. Thème d'hiver. Il est verni. Là, il est à côté de moi encore une fois. Parce que je l'ai verni tout à l'heure. Et je vais essayer de le ranger en fin de journée. Enfin. Je vais faire une petite session broderie avec vous. Et après, je vais aller m'éclater sur l'épée d'action que j'ai commencé hier. Si j'y pense, je vous le montrerai. Ouais, là je peux pas l'attraper, je suis trop petite. Puis comme après il faut que je dérègle le zoom, tout ça. Que là pour le moment ça m'a l'air pas mal. Donc la toile vous paraît grosse. Elle me le paraît aussi parce que j'ai l'habitude du 18-7 en point compté. Donc là on est sur du 14. À la cool, hein. J'ai même pas choisi de terminer. Ah bah j'hésitais. Et puis bah, finalement, je suis partie sur une 14 comptes. Là, j'ai pas un vrai que snap. C'est du montage maison. Ouais. Je sais faire ça. Avec les tubes d'un autre métier à broder qui me satisfait pas du tout. Que j'avais acheté chez Fancel, je crois. Alors, la faute n'est pas à Fancel. La faute est au concepteur. Donc, je ne vais pas rejeter la faute sur Fancel du tout. C'est pas de leur fait s'il est pourri. Mais bon, recycler différemment, bah, ça m'a l'air d'être pas mal. Tiens bien ma toile. Elle a l'air d'être assez tendue, hein. Donc, bon, ça va. On va arrêter de se plaindre. Donc là, c'était la partie facile. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer les feuilles. Donc là, on a fait le petit centre et là, on va faire du traçage de feuilles. Pas sur celui du haut. Alors, moi, ce que je vais faire, parce que l'idée me paraît bonne. Et parce que j'aime bien faire du point arrière, ça ne me pose pas de soucis. Ce que je vais faire, c'est que le point arrière qu'il y a sur cette toile, sachant qu'il y en a vraiment très 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 peu, je le ferai à la fin. Hop. Donc, maintenant, on va ranger le fil. On va essayer de réarranger les chevettes parce que bon là elles ressemblent pas à grand chose. Je range mon fil. Et on va aller chercher le petit sablier noir. Qu'est-ce que c'est que le sablier noir? J'en ai pas. Ah si. 3345. Hop, c'est ça. Joli vert.
Voilà, la lumière du jour, c'est mieux. Je suis très contente parce que j'ai reçu mes pinces, mes nouvelles pinces. Donc là, ça y est, terminé de déménager mes pinces dès que je veux broder sur un cadre dans mon fauteuil, dans le salon. Sur un cadre ou un Q-snap. Hop, alors cette fois, je m'embête pas à couper, enfin séparer le fil en deux. Je prends directement ma longueur parce que je sais que je vais avoir pas mal de points à faire. Donc, par où je commence? Eh ben, on va commencer par là. Donc, je positionne mon fil. C'est quand j'utilise cette main et ben je me cache à la lumière. Il va nous falloir, je l'avais à côté, un crayon à papier. Je l'ai fait tomber. Non, je l'ai pas fait tomber. Et en fait, je vais prendre un petit truc dur. Vous n'allez pas voir. Je suis en train de poser mon patron sur mes genoux. Oh, crayon, reviens. C'est un peu comme Léon, j'ai le même à la maison. Et je vais barrer sur mon patron ce que je viens de faire. Déjà, au crayon à papier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maintenant, on va faire 9 points vers le haut. C'est parti. Mon Dieu, mais quel choix magnifique, Kiki, quand tu nous as proposé celui-ci. Je crois que... Attendez, je sais plus si c'est toi, Christelle, ou si c'est toi, Laure. Mais mon Dieu, que c'est beau! J'adore les couleurs, c'est... Et sur cette toile beige, ça se marie à merveille. Après, on va être sur une couverture complète, donc on s'en fout un peu, la toile beige. Et ce que j'aime bien par rapport aux belles, c'est que j'ai toutes les couleurs. Donc il faudra que je fasse le point sur mes cotons et que je commande ce qui manque pour ma rebelle. 1, 2, 3, 4, 5. Sept, c'est d'un calme. Les petites sont à la sieste. 8. Et plus qu'un. Et je sais que je suis bien parce que je tombe pile poil en face de ce truc-là et que j'ai fait des points tous les deux. Je fais des points de deux longueurs de points tous les deux points. Comme ça me permet de compter un peu. Donc 9, ça c'est fait. Je barre. Et maintenant, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va en faire 6 en biais, toujours en montant. Donc. Et de 1. Ouais, puis là, faut pas faire d'erreur, parce que vu qu'on va être sur la symétrie, la moindre erreur, c'est fatal. 2. Que c'est plaisant à faire. Quatre. Faut vraiment que je me mette des aiguilles aussi dans mon bureau. J'en ai plein dans le salon. Mais dans le bureau, du coup, comme j'avais pas l'habitude d'y broder, j'en ai pas. 5, c'est ça, 2, 4, 5. Alors je suis navrée pour l'état de mes ongles, mais vous voyez, je suis à la maison. C'est une horreur. Je m'occupe de ma maison.
Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et après, on va avoir toute une bande à faire par là. 2, 3, 4, 5, 6. Parfait. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, c'est parti. Là, je vais pas avoir de repère à côté, hein. Donc je vais pas intérêt de me planter. Contraint s'il faut. Et 2, 1. Et 2, 2. Mais je trouve que ça va. L'homéopathie que j'ai pris pour le rhume a l'air de très très bien fonctionner. Alors, je parle un tout petit peu du nez, j'ai la voix un tout petit peu cassée, on est à 3 points. Mais franchement, c'est rien par rapport à ce que j'attendais. Donc ça, c'est vraiment cool. Et 2, 4. Alors, j'aimerais bien finir ce point de croix avant la fin du mois. Je rigole, hein. Je suis contente de ma bêtise. Non, mais c'est pas vrai du tout, hein. Sachant que je vais avoir encore une toile à commencer. Là, on a 5 points. 1, 2, 3, 4, 5. Sixième point qu'on entame. J'ai un nouveau duo à paraître avec ma Mimi. Sixième point. Donc, bon, je ne l'ai pas encore commencé la toile. Notre duo n'a lieu que le 17. Donc forcément, j'en meurs d'envie. Mais je sais me tenir. Normalement, 8, 6, 8. Et le 9. Neuf. Voilà. Alors, je barre mes 9 points. Je suis où? J'aurais dû prendre la crème couleur. Tout plus ça de colorier. Ensuite, donc j'en ai un à faire là. Et après, on va à nouveau descendre en escalier. À nouveau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On descend de 14. Fait, on va les rejoindre ici. 1. Ça va être super agréable à faire en fait. Ah, je croyais que c'est, enfin j'ai cru sur le dessin que les rayures qu'on avait dans les feuilles c'était la même couleur que le tour, mais pas du tout. Que nenni. Petite pensée pour Kiki. Elle comprendra pourquoi. C'est en le disant, je me suis dit ah bah tiens. Ah là là. Les expressions désuètes qui reviennent par moments, ça c'est moi. Hein. Ça a toujours été le cas, j'adore. Ça me fait penser à tellement de littérature médiévale que j'adore. Ah, ça me fait penser qu'il va falloir que j'imprime ce que j'ai prévu de faire avec mes élèves. Je vais leur donner un petit travail à faire aussi à la maison sur la peste bubonique. Ça, c'est pour les quatrièmes. Ils vont adorer. Ils vont me dire, mais ça va pas, madame. Mais si, mais si, mais si. Moi, je sais pourquoi. On va travailler sur Fred Vargas, sur Pars vite et reviens tard. Et comme il y a une histoire autour de la peste, bah, ce serait bien qu'ils comprennent. Terreur des personnes sur la peste. Serait quand même pas mal, non? C'est là qu'on va bientôt voir si on s'est planté quelque part ou pas. Oh, j'ai mal au dos. Serait bien, ouais, si je vais arriver à me tenir droite, j'aurais moins mal au dos.
Et c'est parfait. Une grande ovation pour Gwen qui a été capable de faire un sans faute sur la première demi-feuille. Ouh. Là, je vous entends pas, hein. On dit bravo. Parce que Gwen est une championne pour se planter. Et ben après, je vais remonter là, redescendre et refaire ça. Ben oui, ça me paraît être une excellente idée, les amis, compte tenu de ce que je dois faire après. Alors, Maïgui. Faut pas que je me plante là pour le départ. Et j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 à faire. Et c'est parti. Oh là là, mais quelle broderie reposante. C'est un pur bonheur, hein. Oh là 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 là. Ben, vous savez quoi, hein? Je crois que je me prendrai le reste de la collection de Be Kilt as Can Be. Sweet as Can Be. Enfin, le reste de la collection des Kilt Be. Parce qu'ils sont trop beaux. J'adore. Je vais attendre de l'avoir fini. Quand j'aurai fini, je commanderai le patron suivant. Vous entendez la voix de la raison qui vous parle? C'est beau quand même, hein? Je ne doute pas de le finir parce que là, je suis en kiff total dessus. Et que je sais que je vais m'éclater. Et que les couleurs sont juste magnifiques. Enfin, franchement, c'est trop joli. Ça fait tellement printemps. C'est pile ce dont on avait besoin, les filles. Pile poil. Et vraiment un petit bonheur de broderie. Une toile qui se brode bien. Une aiguille qui glisse toute seule. Bon, mon seul petit inconvénient, c'est que à force d'abuser, j'ai mal au dos. Bah déjà, je vais poser ce que j'ai de lourd sur les genoux. Parce que c'est pas le tout de prendre un support dur, c'est que bah, c'est dur et ça fait mal au dos. Enfin, un support lourd, c'est pas terrible. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, plus que 2 points, 13. Et 14, je vais pouvoir barrer tout ça sur mon truc. Ah, mais je suis bête, j'aurais pu le mettre sur Pattern Keeper celui-là. J'ai même pas cherché. Oh, c'est pas grave. Ensuite, on descend pour en avoir 9. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Logique. Ah non, mais les vieilles pubs qui me reviennent en mémoire. Logique, je prends Vitalie. Ah, les trucs de vieux, mais franchement, j'ai honte. Qui n'y a pas pensé lever la main? Attendez. Si. Ça se touche. Hein. Oui, c'est ça. Deux. Ouais, je parle moins, je suis quand même plus concentrée là puisque j'ai plein de choses à compter. C'est le principe du point compté, hein. Je suis pas sur une grosse zone, donc pas le bavardage, c'est pour plus tard. Hein. Mais ça vous permet de voir, même sans griller complètement la toile, si j'ai fait mon contour, vous pouvez pas voir. Puisqu'il y a le Q-snap, j'ai fait tout le contour. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et j'ai fait mes intersections du milieu.
Comme ça, au moins, je sais où j'en suis. Ça me permet de... Je vais faire un... De toute façon, je vais noter sur le patron les intersections, ce sera plus simple. Je vais me faire des traits. Comme ça, je saurai exactement où est-ce que j'ai placé mon milieu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh la vache. J'ai pas assez pour faire mon 9e point. Pas grave. Je pense que je me ferai un petit sac avec la toile après. Je sais pas pourquoi, je trouve qu'elle s'y prête bien. J'ai même pas mis d'aimant. J'aurais pu. Petit aimant, viens. Bon, ils n'ont pas l'air super motivés, hein. J'en vois pas un seul qui se lève et qui ramène ses fesses ici. Il m'a fait peur d'un coup, j'ai Tachou qui s'excitait dans sa chambre. La vache. Maman, crise cardiaque. Donc, on recompte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ben, on va aller planter l'aiguille pour faire le 9e point. Vous n'avez pas idée, c'est tout bête, hein, mais à quel point je me sens libérée d'avoir terminé ce DP ce matin. C'est... Alors je ne sais pas quand est-ce que vous allez voir cette vidéo. Faut que je vous programme un peu tout. Là, l'ordinateur est en train de travailler. Je vais demander de compresser la vidéo que j'ai montée hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on va descendre de 6 par là. Et on va faire la même chose qu'ici en fait. Donc là, il est en train de compresser une vidéo. Après, je vais lui en mettre une autre à compresser. Et en même temps, il fait du montage, donc les compressions sont plus longues. Mais c'est pas grave. Là, je vais attendre qu'il ait fini de compresser cette vidéo-là avant d'aller relancer compression et montage. Mais je vais profiter de mes derniers jours de vacances justement pour vous programmer un max de vidéos pour les semaines à venir. Que j'ai mal au dos. J'étire un peu, j'ai... À force de croiser les jambes, en fait, ça me fait une barre au niveau des omoplates. Je sais que je ne vais pas le faire. Mais bon, pensez-vous. Je le fais quand même. Ah. Oui. Voilà. Crayon qui vous laisse sauver. Donc, 2, 4. On arrive au numéro 6. Après. J'en ai 9 à faire par là. Avez vu, j'apprends vite, hein. J'allais dire, j'aurais pu mettre du fil vert, j'en ai pas. Enfin, du métallique, mais non, j'en ai pas du vert. Oh, ça veut pas dire que j'en mettrai pas à un moment donné dans la toile, hein. Peut-être plus sur la petite abeille. Les petites abeilles. Oh ouais, sur les ailes, les petites abeilles. On pourrait faire très joli. D'ici là, j'aurais peut-être reçu mes fils. Les mêmes que Kiki.
Je sais plus comment elle les appelle, mais ceux qui font des reflets là sont trop beaux. Je les ai commandés, hein. Mais comme ils sont plus en, comment on dit, en choice, bah du coup c'est beaucoup plus long à venir, hein. Ils vont arriver, faut être patient. C'est comme tout. Ouais, mais la patience quand on veut quelque chose. Au pire, je pourrais mettre du fil argent, j'en ai. Ouais, je m'achète du fil étoile. Quand je vais voir s'ils en ont au Leclerc Culture. Quelque part loin là-bas. Dans des contrées dangereuses. J'ai eu Leclerc quoi. Mais pas mon Leclerc habituel parce que eux, leur espace culturel est à l'intérieur du magasin. Pourtant, c'est un immense magasin, mais il n'y a que dalle. Hop. Donc ensuite, on va en faire des points séparés. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et ceux-là, je vais les faire en aller-retour. Deux, trois, quatre, c'est bien ça. Oui. Oh, je vérifie quand même. Que comme ça après je reste sur le centre du, je repars toujours du centre de la fleur pour faire mes pétales verts, mes feuilles, je sais pas trop. Les trucs verts. C'est bien truc, c'est comme machin, ça marche pour tout. Ah, ça y est, il a fini de compresser. Je vais lui dire bonjour et je reviens. Bouillez pas. Me revoilà. J'ai remis l'ordinateur au travail parce que bon, hein. Pourquoi vous bougez? Parce que j'ai dû vous taper dedans. Vous n'êtes pas censé bouger. Deux. Quatre. Je fais n'importe quoi. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai absolument pas du tout l'intention de faire un aller-retour là. Hein. Alors quand je défais mes points, je prends toujours, vous avez vu, le chat de l'aiguille. Pour éviter d'abîmer mon fil ou ma toile. L'un comme l'autre me poserait un petit problème. Allez, c'est parti. Il a fait les traitements pour le son et il passe au montage. Et de l'autre côté, j'ai une vidéo qui se compresse. Donc là, normalement, jeudi, vendredi, c'est bon, faut que je vous mette les trucs en ligne. Lundi, mardi, mercredi, c'est bon. Jeudi aussi, vendredi ça va être bon. Et je suis pas mal, hein. J'essaye toujours de vous en mettre principalement la semaine. Je vais voir en fonction de ce que j'arrive à filmer, hein, en fonction des avancées que j'arrive à filmer, etc. On verra comment on fait, hein. Mais déjà, j'ai réussi à m'organiser pas trop mal sur ce coup-ci. J'ai même pas compté. Je vais compter quand même. Même si je sais que je suis bien normalement. 2, 4, 6, 8, 9. Maintenant. Donc je vais barrer ce que j'ai fait. Je vais descendre de 6, de 9. On va refaire la même chose.
C'est ça, 6, 9. On y va. C'est l'avantage, c'est que du coup, on refait exactement la même chose qu'on vient de faire au-dessus. Donc, limite, là, j'ai pas besoin du patron. Les chiffres, ils sont rentrés. 6, 9 et 14. 3. J'ai pas piqué bien comme il faut. C'est un des inconvénients de cette toile. Alors il y a longtemps que je l'ai en stock. Et bon, c'est pas la plus belle toile. Puisque on a tendance à piquer au milieu d'une croix. Enfin d'un. Au milieu, enfin sur les côtés, là par exemple, ici entre deux fils. 3, 4. Mais j'aime bien cette toile quand même. Et un 6. On vérifie. 2, 4, 6, c'est bon. Donc après, on en refait 9. C'est ça le point compté. On compte et on compte et on compte encore. Mais voir. Ah, on va avoir un petit souci là, les amis. Alors, si je rétrécis un peu, peut-être que ce sera mieux. Parce que sinon, bah, vous n'allez pas voir ce que je fais là. Moi, je vais partir dans le vide et puis. Vous resterez tout seul, sans rien voir, juste à m'entendre compter, passer le fil et l'aiguille, mais c'est tout. Regarde si ça floute pas trop quand je mets mes doigts. Quelle idée de vouloir essayer de broder en regardant dans le téléphone, c'est une horreur. 2, 4, 5. 6. Il y a le ventre du chien qui fait du bruit. 9. Je vous ai fait le même coup qu'hier. Enfin, je vous ai fait le même coup qu'hier. Et là, on va redescendre de 14, à savoir que j'ai même pas encore pris mon dessert. On verra au moment du goûter, je pense. J'ai pas faim. Donc, on va pas se forcer, hein. Pourtant, je suis très dessert. Mais c'était bon. J'ai fait de la graine de couscous avec sauce tomate maison. J'ai mélangé dans une casserole un peu de thon et. Du thon et un peu de fromage aux herbes, la type boursin. J'ai fait fondre le tout ensemble. Ça a fort bien plu aux jeunes filles. Bon, à part Alwena qui ne mange pas de thon, donc elle, je sais, je lui mets pas, je lui propose, hein. Elle aime pas le thon. Elle a jamais aimé ça. Dès toute petite, elle le repérait. J'en mettais dans un cake, elle le repérait. Donc, bah, je n'en ai pas donné. Demain, je pense qu'on se fera des lentilles. Faut que je vois s'il me reste des snacks au frigo ou au congèle. Normalement, oui. Oh, je demande à Chéri. Il sait où elles sont au congèle. C'est lui le gardien du congélateur. Ça permet. Comme ça, on fera des saucisses lentilles. Elles adorent ça.
Et bah tant qu'à faire, autant faire des choses qu'elles aiment, hein, c'est bien aussi. Donc j'ai racheté des lentilles et des lentilles corail. J'adore faire des lentilles corail avec du poisson. Oh bah remarquez, je sais ce que je pourrais faire vendredi. Ce soir, je pense qu'on va faire un petit velouté de tomates. Avec tomates du jardin à mamie. Donc comme dirait Petit Namour, la soupe mamie. Ah ouais, on fait la soupe à mamie. Cette enfant, elle aime la soupe, les yaourts. Elle se fait des kiffs dessus. Hein. Oh, elle adore ça. C'est trop mignon, moi j'adore. Hein. Autant les autres, pour leur faire manger la soupe, il fallait se lever de bonne heure. J'ai un ongle qui raccroche. Je vais le mettre une lima ongle, tiens, dans ma boîte magique. Toujours utile d'avoir une lima ongle avec ça. Et juste pour le plaisir, Karine. C'est Karine ou Marilyn qui a essayé, je sais pas. En 14, c'était. Tac. Oui, je suis moqueuse. Très. Vous savez. C'est que je suis en forme. Sinon. Je barre mes petits points. Et donc, on fait la même chose en sens inverse. Comme ça, on arrivera par là. Hop, pose-toi. Oh la vache, eh, le temps passe vite quand on s'amuse, les amis. Hein. J'avais pas vu, je pensais avoir le temps de finir la feuille, voire d'en commencer une autre. Bah non, on n'en est pas encore là, mes amis. On va peut-être pouvoir la finir, mais commencer la suivante, c'est de la gageure extrêmement. C'est pas grave, on aura passé un bon moment détente, et clairement, alors là, je suis... Je suis détendue, je suis bien, je suis... Contrairement à hier, déjà, j'ai pas mal à la tête. Qu'est-ce qui me fait le fil, là? Voilà. Comme ça, on voit pas ce... Oh, j'ai un fil qui est pas terrible, qui est un peu abîmé. Allez, ça sera vite caché. J'ai pas mal à la tête, donc forcément, je suis bien. Hier, c'est ça, ça m'a pris. Pendant que j'étais en train de broder avec vous, j'avais mal, mais mal, mais mal, mais j'étais pas bien. Et puis après, je me suis mis à faire du DP et ça allait beaucoup mieux. Même si... toujours ce mal de tête lancinant. J'ai pris un comprimé à 16h et puis c'est passé. Petit à petit, j'ai pu faire du colo. D'ailleurs, on a fini notre colo avec Léna. Il faut que je sorte le nouveau et que je choisisse mes couleurs. Elle en a choisi un dans Raya cette fois. Donc il faut que je sorte mon tome de Raya. Et... J'ai avancé un peu mon coloriage que je fais avec Lilouane là, ce matin, puisque bah, je fais comme elle. Je m'arrête là où elle s'arrête. Donc, elle a fait les cheveux d'Elsa, j'ai fait les cheveux d'Elsa. Là, elle a fait sa robe. Donc, sa robe, j'ai fait la robe. Et elle a fait, elle est en train de faire le visage et la main, donc j'ai fait visage et main. Et je verrai bien d'ici demain ce qu'elle aura fait. Et j'avancerai de mon côté demain matin. Enfin, de mon côté avec elle à côté de moi. Je ferai... ça, je la dégoûte pas à vouloir... Enfin, à aller trop vite. Et quand j'ai fini ma partie, bah, qu'est-ce que je fais? Je reprends mon coloriage à moi de ma petite poupée. Lilouane. Mais maman, tu fais comment pour faire plusieurs coloriages en même temps? Bah, je vous attends. Voilà, c'est passé. Tousse moi, hein. Enfin moi.
Les quintes de tous sont totalement différentes là. Je me sens pas mal quand même, hein, ça va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ce qui fait que là, maintenant, on va en faire 9 pour aller de l'autre côté. 1. Allez. Deux. Là là, mais je m'éclate. Il n'y a pas d'autre mot, je suis. Oh la vache, c'est un patron qui est trop, trop, trop chouette à faire. J'adore. Vous voyez pas le sourire. Puis je vais pas vous montrer ma tronche. Mon avis, j'ai les yeux qui sont encore bien marqués parce que je suis encore fatiguée. Bah 2 heures du mat, monsieur. Vas-y, que j'arrive pas à dormir. Je me lève, je vais faire pipi. Alors moi j'avais chaud, j'ai repoussé le dessus de lit. Après j'ai repoussé la deuxième couette. J'avais chaud. Il ne devait pas faire froid. Et là oui, je sais ce qui me met en joie. Le soleil. Il y a du soleil. Oh pardon. Il y a du soleil. C'est trop cool. Ce serait bien que je compte. Alors, 1, 2, 4, 6. Huit. Alors, il y a une autre technique. Je vais vous montrer ça juste après. 9 pour voir si on tombe bien. Comme il faut. Donc, je vais monter mon fil droit. Et voyez, je tombe pile poil, je tombe juste par rapport à l'autre. Donc, je suis bien parfaitement alignée. Donc là, je le remonte de 6 en diagonale. Ouais, écoutez, on va essayer de finir ça ensemble quand même, ce serait mieux, hein. Deux. Mais on aura fait 2 feuilles. Ou deux. Ouais, on va dire que c'est des feuilles. Soit des feuilles, soit des pétales. Écoutez, je sais pas quoi vous dire. C'est vert, on va dire que c'est des feuilles. Hein? 1, 2, 3. 4. 5 et 6 et ensuite 6, 6, 6, je suis là et là je redescends de 9. Enfin je redescends, je remonte de 9 encore. Mais en ligne horizontale. Ah, faudra que je me trouve un truc en forme d'abeille pour faire mon aimant aiguille. Ce serait bien, non? Ah, j'ai commandé des petits, des mini pendentifs en bois où on peut, enfin, qui font à la fois mini cadran brodé. Justement. Dans l'optique de me faire des aimants aiguilles. Je vous montrerai tout ça. Donc là, on en est à 5. Oh mon Dieu, j'adore quand ça se déroule comme ça. Comme dirait Chérie, avec une petite référence à l'agence touriste, j'adore quand un plan se déroule sans accroc. Mais moi aussi, Chérie, moi aussi. Et là, en l'occurrence, j'ai pas encore fait de boulettes. Et comme quoi, hein.
Regardez-moi ça. Tadam! Donc, bah, je vais placer mon fil, mon aiguille. Hop. Après, bah, j'ai mes 5 points à descendre. Et bah, moi, je vais vous laisser là parce que sinon, bah, on est parti pour 3 heures de vidéo. Sauf que ça va pas être possible, hein. J'ai beau vous aimer beaucoup et inversement, à mon avis, au bout d'un moment, vous allez en avoir marre de moi. Donc, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura peut-être donné envie de vous joindre à nous. Dans ce cas-là, n'hésitez pas, ce sera avec plaisir. Et on se retrouve évidemment dans une prochaine vidéo. Celle-ci, vous la verrez évidemment dans le Flosstube du mois de mars. Et ensuite, bah, au mois d'avril, je vous ferai une petite vidéo dessus. On verra comment j'ai avancé. D'ici là, bah, on va regarder ce qu'on aimerait bien faire quand même. Bah, pourquoi pas avoir en être au moins là. Avoir fait le cadre, ce serait pas mal. Ça représente déjà un petit boulot quand même. Avant le bail parce qu'il va falloir tout remplir autour. Déjà il faut faire les deux autres pétales, enfin, les deux autres machins là. Il faut faire le remplissage des pétales, il faut faire le remplissage autour. Donc oui, il y a encore un petit peu de boulot les amis. Bon allez, sur ce, ben, je vous embête pas plus longtemps, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.